Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. En parlant de mois de juillet qui prend le bail, président Jovenel Moïse on l'année depuis la guise de Mangel. Combien de monde qui change qui date jeudi aïe? Combien de nous qui connaît jeudi à ce 1er juin? Vous vous rappelez ça? Eh bien, 1er juin, c'est date l'année dernière que 5 secondes de ISO, si l'a appelé Chris là, l'exercice où tu as pris le mettre pied dans l'entrée sud capitale là. Et t'as fait le bloquer entre sud capitale là. Je dis à Bayon l'année, depuis Moun Matissan, a connaît yon mauvais moment. Je dis à Bayon l'année sans mettre, depuis pas gain passage dans entre sud capitale là. Nous rappelons ça pays là. Ah oui, m'a fait changer ça. Gain plus que, gen plus que 160 bus que nèg yo prend à tout moun la dan pendant un an ça yo rive compter sans compter on dizaine que yo boulé c'est ça chauffeur yo fait bilan de soyon exact chauffeur qui mouri sans compter quantité qui blessé par balle dans tenté passer Matissan. Ah oui. Pourtant, gagné association de commerçants dans Sud-Lan qui était dans son grève pour demander de débloquer Matissan. Rencontre faite dans Sud Capital. La gros l'argent bail. Pour que grève la levé et nèg yo kal fè moun yo faux promesse kal ba yo faux espoir que yo pral débloquer Matissan que la police pral travail pour débloquer Matissan même pas bon mante tout ça c'est jouet té et vrai oui nous met quoi parce que ça fait belle lurette il y a 4 mois de cela que le PM Ariel Henry te bay garanti que li pral débloquer entre sud capitale là. Il te dit la police ak meg moyen que la police gagne, la police pral débloquer capitale là. C'est ça Ariel Henry te promet et jusqu'à présent on pou ko jam moi débloquer a en guise de débloquer moi le bloquer pire tout ça c'est jeté. Ba ka jeune jeté a non. Est-ce que nous comprenons le pays? Un an après, qui s'est fait, qui s'est dit? Un an après. Un an après, nèg sa yo bloqué entre sud capitale là. Détourner camion, voler camion, kidnapper moun. Tirer sous bus, nous pas oublier. Jeune infirmière qui t'a quitté deux petits monde qui t'a venu chercher la vie, les gars tiré dans le bus, nous rappelons ça. Nous pas oublier jeune dame qui t'a pris le marié, les gars tiré, nous rappelons ça. Nous pas oublier quand tu t'es chauffeur, tu tiré machine, tu entré dans le séparateur, nous pas oublier ça. Parce que nous avons la République. Nous avons fait un an. Et je dis à tout fait 4 mois depuis Ariel Henry, te promettre que yo pral débloquer entre sud capitale là. Bon me dit non bagay pays. Moi même avant, ma Christopherson, madame Jimène, si besoin dans sud comme moi me c'est nèg Jamel si besoin dans pays moi. Faut au moins m'ta gon ti cop pour me payer un ti avion. Si pas ça m'a pas gagné comme là même pas avlé pay avion comme avion a tomber me dit pas monter ti avion m'a pas souhaité là tomber ca fois même comprendre
Eh bien, on t'a obligé à passer ta rase. On t'a obligé à passer ta rase. Ou bien Saint-Jude. On Saint-Jude, nous connaît depuis deux chiens pipi. Situation compliquée en l'air. Et qu'on y a là. M'bral mou ton vieux moto. M'ap gade falaise à gauche, falaise à droite. S'il manque tombe, m'oblige qu'un BDL soit là là, mou bien pas aller du tout. Et m'oblige ma chantibale dans le poche, m'oblige payer passer ya. Assez pour nous. Malere malereuse. Cap tenté passer. Mais ça pral fait mri de l'histoire, peuple haïtien. La police. Regardé dans la police là. Ministre intérieur, lisque tel ministre kidnapper. Beto Dossé, ministre justice là, ministre Douagla. Yo pral promettre moun dans sud que yo pral débloquer Matissan. Nous mettre pays. Les gars passer Saint-Jude ou bien prendre avion. T'en nous causer. Mais là qui va le débloquer oui. Kounya pou moun okay prend dans simagri ça prend baï ça. Comme si on a ministre justice. On a ministre intérieur qui fait partie du CSPN pardon. Christo pour négio pour corps pas capable Matissan et puis on dit peuple là pour baba. Et yo gagne nèg a gozam nous là mais pour débloquer Matissan. On dit musique ça, par contre c'est Christo gagne là. Man vivi, vion lot Matissan. Man, ou ne dit ça? Je le pou, man vit en de la avant fini l'émission. Man vivi, ou lot Matissan. Comme c'est la gonne qui fait là. Ou soit c'est quelqu'un, non, mais. N'est qui fait musique. Ou gonne li? Ou gonne le Christo? Ok. Man vivi, ou lot Matissan. Matissan d'antan. Matissan grand moun te kon moute en l'air ou de dal. Allez, dans l'éclair. Matissan côté moun kon al den et comment il va ça anana avec te ban pile anana ou te kon ça met ou te konnen ça nan entre l'éclair dans Matissan 23 moun te kon acheter can ti bout can 3 goud 5 goud ou te kon ça surtout gros budget mieux les la font camper là faut font poser là oui bon puis au saint frontière oui peut-être comprendre ça va parler la pays qui donc tant que vous me dit hier encore une fois je me pose la question. Est-ce que l'État au courant de l'État? Non, moi je ose me poser la question ça. Est-ce que l'État au courant de l'État de même que pas de courant d'un pays, EDH pas au courant? Pour EDH pour col sous panneau solaire. EDH pour col a pas acheté gaz maintenant d'Elgo. Vous comprenez ma parler à la pays? Hein? Si l'État a fui pour bandit, n'oublie en bas, palais de justice n'a pas qu'à fonctionner à cause de Zouk en bas. Parlement haïtien, si monsieur en bas, quoi vous salle là qu'on a géré, on a mis plaisir dans mes yeux. Hein? La police délocalisée. Le cas de Brooklyn n'a pas parlé là de combite là. Le cas des Divier qui sont policiers, n'a parlé des antennes Divier. Le cas de Kafoudouya, m'a parlé des antennes Douya. Le cas de Saint-Joseph, m'a parlé de sous-commissariat Saint-Joseph là. Le cas de Matissan, m'a parlé de commissariat Matissan. Le cas de Canara actuel, que antenne pas de police administrative, c'est seulement Tiblende à Kampela. Donc, y ont encore antenne qui délocalisée, qui parle de policiers là-dedans. Qui donc? L'État même dans l'insécurité. Mais, qui te m'dit au tout, si Berto Dossé, si Liz Ketel, Ariel Henry, tant d'autres, si yon pas fait au complice de ce qui a passé dans Matissan, si yon pas gagné intérêt la donne, m'pense l'État pas cap couille pour bandit, n'est-ce que t'as doué, même machine, kokok, gros figui, sirène qui a passé ces jeux-là, t'as doué qui a passé le 5e avion, elle passe Matissan devant Saint-Bernadette, pour y aller à vous, pour aller dans le pays, nous pas cap, marron pour bandit tout, monsieur. Bon, chien, bon, sans honte, non. Regardez, m'a j'aime pas ces chutes attendez, m'a vu, m'a qui fâché la donne là, oui. N'est-ce que c'est une chose douce, ça y est. Pardon, madame, je vais, m'a ces chutes attendez. N'est-ce que t'as fait m'fâché. La descente dans Matissan 7, là. Y a pris son bus, et, il y a deux camions boîtes nèg yo campé là et parmi bandi ça au quartier à monsieur Paya il y a deux dadayo qui en uniforme la police en crème bleu.
Nous avons dit à pays, quand on a parlé là, il y a descend là, il y a rançonné bus, il y a fouillé bus là. OK? Il y a deux camions boîte nèg yo metté barré yo. Et derrière yo pour bus passé. Et gain deux nan nèg m'a parlé là yo qui en uniforme la police. OK? Qui gain uniforme comme blanc comme c'est des policiers qui camper à gros bail nan mais au pays là. À soir m'a metté image pour nous sur channel là. À soir après bail, m'a monter nous bail. Peu haïtien, m'pensais que et me dit l'éclair. Ministre de justice son bien ta il était lié Bertrand Dossé. Ministre de justice. Font bagarre au moins peuple là. Ah ouais, ils font bagarre. Déjà la police ça m'gonne grand pile volonté. M'gonne grand pile volonté notre DG à nous, déjà la police là. Monsieur Anfonsou Kekon parce que m'pensais après un an de misère à Matissan que peuple a passé des matières sans nous devons vivre en l'autre Matissan. Saison cyclonique l'a lancé officiellement dans le département sud pays à hier mercredi 1er juin 2022 dans le cadre d'une cérémonie qui était déroulée dans le local bioprotection civile là dans la ville Okaï, en présence de diverses autorités locales et départementales dans le sud pays. Directeur départemental sud de protection civile là, Sylvia Guillaume, qui te prend la parole dans l'occasion, hein, fait qu'on est lancement officiel saison cyclonique là, c'est occasion pour sensibiliser population hein, sur risque et désastre et qui crée une synergie entre toute institution dans le département qui concerne dans gestion risque et désastre dans l'idée pour plus bien coordonner action et réponse, il y a bien pour bail face à la situation, urgence qui a bien pour arriver. Nous invitons au côté intervention directeur départemental sud protection civile là, M. Sylvera Guillaume. L'importance de la saison cyclonique, ça, j'entends dire, pas mal de si à bien urgence, mais c'est qu'il y a bien urgence. Ça veut dire que ça traduit à tout moment, nous sommes capables de faire face à l'urgence. Et en général, l'urgence est gérée de manière locale. Ça veut dire que c'est ça nous gagne, c'est ça nous prépare, c'est eux-mêmes qui va permettre de nous faire face dans les premiers moments. À l'urgence que nous avons fait face. Donc, dans ce sens-là, à l'instar du tremblement de terre qui était passé, okay? Une seconde après le tremblement défini, nous avons dit un ensemble d'acteurs dans le département sud d'activité, sur le protection civile, sur le TPTC. Vous comprenez ce mouvement? Nous avons dit qu'on peut notre institution encore, affaires sociales et santé publique, pour regarder comment eux-mêmes sont capables de porter pour les réponses. C'est pour ça que nous devons continuer, nous avons dit le travail, nous devons continuer à parler. Parce qu'en réalité, leur urgence, nous ne pas attendre. Donc, présence nous encore une fois aujourd'hui, c'est pour nous capables de dire institutions qui impliquent dans le GRD, dans quelle que soit la programmation qu'il y a fait, dans quel que soit le projet qu'il y a bien pour mettre en œuvre, pour garder comment GRD est capable de transversal. Ça veut dire, l'on a fait budget, l'on a fait planification, il faut que ça rentre dans l'activité nous, parce que nous avons un espace. Qui lui-même n'a qu'à dire face à un ensemble de risques, qui sujet n'a qu'à dire à un ensemble de menaces. Et en fait, quel que soit le projet ou le programme que vous avez mis en œuvre, il y a de catastrophes qui arrivent pour ne pas continuer avec l'activité. D'emblée, il faut rentrer dans la gestion, urgence ou bien n'a qu'à dire catastrophe. Là. Donc c'est pour raison ça. Là, ça arrive pour nous faire bébé. Là, ça arrive, c'est pas pendant un même moment ça pour nous chercher, pendant que ça prend des jours, des mois et même années pour nous, pour ça nous chercher à arriver. Pour nous, nos situations, pour nous capables de contribuer, d'apporter réponse à un genre de situation difficile. Ça. Donc, en fait, lancement, ça encore une fois, c'est pour une petite population qui est de bon côté. La population du département sud-là, nous avons réfléchi ensemble avec eux et nous avons regardé comment nous sommes capables de continuer la mobilisation pour laisser arriver, malgré que nous connaissons toujours fait preuve d'une population qui est résiliente et toujours fait preuve d'une population qui est intelligente. Donc, c'est pour que, j'aime dire, les réponses capables de venir. Nous avons dit plusieurs endroits. C'est pour que les postures capables de venir, je ne dis pas, même si on va venir, nous avons dit attendre l'institution qui va venir en net, mais par rapport à travers ce qu'on a fait là, la population déjà connaît qu'à tout moment, la situation difficile va arriver. Si par exemple, il y a un petit tag 100 gouttes, là, vous regardez comment, dans 100 gouttes, dans la défense, là, au moins, il y a quelques gouttes que le capable de mettre en réserve ou bien l'acheter de l'autre bagage que l'a besoin en situation d'urgence. Donc, encore une fois, lancement, il veut dire que le 1er juin à 7 novembre, nous sujet pour nous capables de frapper par une menace dans un cyclone. Ça. Et là-dedans, il y a qui est capable d'ouragan ou bien ouragan majeur. Et ça fait nous faire penser à ouragan Mathieu, qui lui-même, jusqu'à présent, tout un ensemble de voies amères, tout un ensemble de séquelles, d'Acadie, qui est vraiment pas bon pour nous.
ou ta pote directeur départemental sud protection civile la Silvera Guillaume qui t'a parlé dans micro Jean Erenson Eliska magistrat au cas la Silvera moi qui était présent dans cérémonie fait qu'on est mairie l'a dirigé à Paris pour travailler dans tête collée à protection civile ensemble avec l'autre partenaire qui souterrain dans l'idée pour aider population civile à traverser saison cyclonique là qui commençait 1er juin et cap bout 30 novembre cap vini là. En côté déclaration magistrat au cas la Silvera moi qui était dans micro Jean Erenson Eliska. Aujourd'hui, c'est un jour qui marque une volonté que nous-mêmes nous gagnons pour nous être capables pour Boris là nous arriver là-dedans. Pour nous prévoir, ensemble avec l'autre qui nous a protégé, tout ça qui vient pour faire. Nous prévoir, c'est ça fait nous toute autorité mobilisée. Nous mobilisons ce groupe-là, c'est une civilisation faite, même si nous pas présent, parce que nous avons une situation de crise, pour que aujourd'hui, nous marquer par une activité de grève, tout le monde doit être là, mais nous-mêmes, nous là quand même, nous là, pour qui montrer volonté que nous gagnons pour nous travailler avec la protection civile. Là, nous du travail avec la protection civile, nous sensibiliser, c'est que quand il y a un travail qui fait, il y a plein d'urgences, de réflexions qui fait, côté que au grand amour, qui matériel qui est disponible, qui premier secours pour travailler en moins et en moins. Exemple, on est passé nous 14 août, premier secours, premier sauvetage, premier, c'est solidarité, il y a une de l'autre qui est important. Tout le monde, nous sommes dans le temps pour que l'on se trouve chaque monde. Et pourquoi nous voulons te féliciter de nous, parce que nous là, nous vivons. Chaque monde est nous résilient. Des fois, on a qui ont fait camper. Quand ça nous est campé, nous allons faire en fer. Parce que il n'a pas dormi, il n'a pas mangé. Mais il a là, il a réfléchi pour tout le monde, il a aidé tout le monde à réfléchir. Malgré le chaleur, malgré le balan de pression. Même s'il n'a pas gagné un mail, mais il m'a demandé à droite, il m'a demandé à gauche, il cherche souvent. Je suis même avec la municipalité à tout, pas recevoir aucune subvention, rien dans le du tout. Mais en pouvoir de vous camper, vous serez capable de demander un support des partenaires qui aident à avancer pour faire quelques services. Donc dans ce sens, nous voulons des assurances que nous avons continué à faire ce travail-là, à continuer à demander et à continuer avec plan d'urgence, tout ça bien pour faire. Et surveillance est toujours là. Nous toujours en haleine, chaque fois qu'on gagne pour nous avertir, pour que nous soyons capables de prendre les précautions qu'il faut. Alerte, tu as bail, lève le bail, tout le monde, les précautions qu'il faut prendre, sensibilisation qu'il faut faire. Chaque monde qui vous fait quitter d'urgence, la caille, parce que le premier sauvetage là, pour sauver tes tours. Donc c'est pour qu'on t'en prépare, pour qu'il tout déjà préparé, pour t'en mettre tout, une baleine déjà là, une bouteille d'eau, nous passons à mon déjà là, pour qu'on t'en sauver tes faire mal là. On va courir chaque monde qui gagne. Pour plein d'urgence par eux, pour famille, pour petit, pour être capable de ranger en conséquence. Allez, dernier point à l'improviste, nous ne pouvons pas pas gagner. Par contre, si nous avons un petit gars, nous avons un petit gars, avec 4 feuilles. Parce que si nous avons besoin de courir, pour nous battre dans la caille, pas de temps, 15 jours, c'est rien. Donc, chaque monde, il faut nous préparer. Il faut nous préparer chaque jour. Il faut nous préparer. Si pas à la vie, ce n'est pas le même genre pour nous encore. Donc, on entend qu'on valise qu'il a tout préparé sur des écouries. On même fait une valise sur des écouries. Donc, est-ce que chaque monde prépare toutes les gens? Est-ce que nous avons mis de l'eau dans la ça pour nous mettre, même s'il va gros, mais il faut qu'il y ait des petites gens familiales qui préparent. Donc, chaque monde nous sensibiliser à ça pour nous connaître que les jours compliqués pour nous, nous habituons avec ça depuis que nous avons été conseillés, depuis la fondation de la ville. Nous entre deux rivières, nous prenons le risque d'incendie, nous risque de tomber dans terre, nous risque d'inondation, et nous avons toute qualité de risque. Donc il faut nous vivre avec eux, mais il faut nous préparer en conséquence. Mouvement, l'autre information dans l'édition journal ça, toujours dans ça qui a rapport avec Sud PIA, mouvement protestation syndicat chauffeur Sidio était annoncé pour hier mercredi 1er juin. Pat Kembe contre Max ça qui était annoncé. Décision ça prend après Chita Palé qui était déroulé la veille entre syndicalistes, yo, avec trois ministres du gouvernement, Ariel Henry, qui était en tête de la délégation. Trois ministres, yo, qui c'est Ricardo Saint-Jean, ministre Kobes, ministre intérieur Litz Kitel, avec ministre environnement James Cadet. Président syndicat chauffeur sud Bertrand Banata qui t'a porté explication sur rencontre c'est là fait qu'on est après discussion le syndicat chauffeur était prend décision pour camper sous grève qui était annoncé pendant yo dit yo bay dirigeant dans l'état yon délai 15 jours pour bay yon réponse à problème insécurité sinon il a passé dans un autre état. En côté déclaration Bertrand Banata qui c'est président syndicat chauffeur dans sud pays al tenant micro Jean Ernst Eliska. Entre pour parler avec ministre, entre pour parler avec autorité dans
avec les policiers qui étaient regardés. Et nous sortis avec un temps de réflexion. Réflexion pour que les choses changent. Mais ce n'est pas vrai que nous sommes soit sur revendication. La revendication, non, nous annoncer à nouvelle non, papille, non. Nous, demain, si on dit, nous avons toujours marqué jour. Mais nous, à bas, l'école là, chance pour 15 jours. Même gens, nous disons. Non, nous disons que. Nous décidons nous-mêmes. Nous décidons que nous quittons l'examen fini. Après l'examen fini, l'État, dans la démarche qu'il a entreprise, comme on dit, que, il y a une préparation pour que nous jouions une sécurité sur Matissan, nous balayons dès les 15 jours. 15 jours pour le réagir. Donc, on ne pas dire comme ça. On dit que nous avons cherché une solution avec le pays. Ouais, ce qu'on a dit là, si le gouvernement a fait chita avant, nous ne pouvons pas te plaire à nous. Mais on doit comprendre dans moins de 3 heures de temps ou 4 heures de temps, nous décidons soit à un mouvement, nous avons incité la population là-dedans depuis tantôt 2 ou 3 semaines. Mais si nous avons une solution, pourquoi c'est le même cap qui est bon pour la population au lieu que nous avons poussé le gouvernement là-bas? Vous confiez qu'on a une solution? C'est pour raison ça, nous avons 3 ministres de responsabilité pour nous aller chita ensemble. Que vous avez 15 jours devant vous pour décider. Si non, ça n'a pas pris 15 jours. 15 jours après, on n'y a pas fait, on a réagi comme nous avons décidé déjà. Voilà. Non, attendez. Son pays qui a un paquet de touché là-dedans, qui n'a pas de résultat. Ou bien il aurait été, il n'a pas de résultat. Ou bien il y a un groupe de monde qui a dirigé. Combien de monde nous avons mobilisé là dans le Grand Sud? Ça que c'est tout secteur qui te prend responsabilité. Et devoir prendre responsabilité pour faire ça. Et nous avons les 4 départements. C'est 4 départements et puis ensuite. Est-ce que le message va bientôt passer pour tous les 4 départements? Je crois que toute rencontre qu'on fait. Non, toute rencontre qu'on fait, c'est sous. Réseaux sociaux nous faisons ensemble avec le département. Mais tout le monde va sortir la caille des mains ou des magasins, j'en ai annoncé le contrairement. Non, à marquer journée, mais l'essentiel, non. Est-ce qu'une gaquette n'est pas fêtée tandis que nous-mêmes, nous avons une situation difficile? Non, marquer journée, est-ce bon. Que c'est toujours fermer l'école, Georges, ou bien fermer non, magasin? Non, bon, c'est que Jean, activité à été au premier là, a bien une possibilité pour mieux fonctionner. Merci. Ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardo Saint-Jean, qui fait partie de la délégation gouvernementale, là, qui a fait virer dans le département sud pays, a profité de parler avec entrepreneurs qui sont dans le studio, qui affectent la situation et la sécurité qui gagne dans la capitale. Là. Fait qu'on a une promesse qui fait un engagement qui prend bon côté l'État pour répondre à la revendication entrepreneurs, et spécialement problème de sécurité Matissan, qui a une grosse conséquence sur l'activité économique dans le reste grand sud pays. Là. Nous invitons au côté déclaration ministre du Commerce et de l'Industrie à Ricardo Saint-Jean, dans micro Jean-Ernst Eliska. Le ministre du Commerce a une obligation pour dialoguer avec entrepreneurs, commerçants. Pas oublier comme ministre du Commerce, c'est interlocuteur directement. Certainement, gros retard parce que nous avons rencontré déjà et nous profitons de moments pour nous rencontrer. Je ne regrette parce que nous pensons que rencontre la fait sous de très bonnes bases. Et nous parlons même pour ensemble de ça discuter là, pour respecter qui c'est du côté de l'État et qui c'est du côté ensemble d'entrepreneurs qui est la syndicale qui va dans la rencontre. C'était pour qui ça rencontre là précisément? La rencontre, c'est que nous sommes conscients que la crise sécurité que le pays a connaît, qui Matissan bloqué, fait que dans le sud, le prix produit est élevé par rapport à ensemble d'autres pays. Inflation plus haut dans le sud. Comment ça a été décidé de lever campé? Nous-mêmes, nous sommes venus rencontrer pour nous montrer que l'État n'est pas insensible à la situation. Certainement, on manque de communication. Nous expliquons ensemble d'initiatives qu'il prend, nous expliquons ensemble des responsabilités que le gouvernement prend, ensemble des supports que la police nationale pour garder comment il y a résoudre le problème. Non? Et nous comptons que nous croyons dans la sincérité de nous. Nous allons bénéficier de tout là et nous allons continuer à travailler pour avancer. C'est dans combien de temps qu'on a espéré une solution ou bien on a remis cette solution ensuite? J'en dis là, problème dans ce problème de sécurité et la police fait des démarches nécessaires, le gouvernement pour des supports. Gain ont ensemble de nécessités qu'elle t'a demandé que le gouvernement commun y a placé pour venir déjà. Maintenant, nous j'en ai dit à nous les sincères. Nous ne pouvons pas aller pour matin pour nous dire que demain matin, les équipements vont venir et le gouvernement va être résolu. Nous ne pouvons pas le mentir, mais nous sommes sûrs que nous pensons que par rapport à ça que vous avez demandé, il y a de très, 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 très bonnes avancées faites.
bon, c'est un délai raisonnable, Tadoué, la population Tadoué senti qu'il y a des avancées qu'il y a fait. Ministre, tout le monde a été supposé camper. Est-ce qu'il a à ce soir-là un bon coup d'état à la population? Coup d'état, par contre, fait une négociation à deux groupes. OK? Mon groupe qui a fait coup d'état, il va négocier à un groupe qui est sous pouvoir. Il n'y a pas qu'à coup d'état. Son négociation, son échange, son dialogue entre des représentants du gouvernement, de la police et des syndicalistes, des membres du secteur privé des affaires, qui nous échangent, nous comprenons, ils comprennent sincérité nous, et sur base de ça, ils décident, si ils décident, ben, on bénéficie du doute à ça, nous dit, ils ne parlent pas pour un coup d'État. Pour qui ça, c'est quelques heures, alors que l'information a circulé depuis tantôt trois semaines, les derniers lèvres, nous-mêmes, là, gouvernement décidé. C'est pas quelques heures, je me suis dit ça. Parce que si bon tort que l'État gagne, c'est que l'État est doué rencontrer Mounio déjà, et que ça fait un retard. Et que nous assumons. Que nous assumons, nous disons tort. Mais parallèlement, ensemble de démarches qui menaient, par exemple, pour la police procurer le matériel, pour essayer de vous mettre contre l'insécurité, c'est pas hier. C'est pas dans trois semaines. Nous placer comme c'est pour dire que même si pas de communication qui est faite autour de ça, et c'est peut-être que nous, les prochaines déjà, parce que nous ne pas communiquer plus avec la population, mais nous sommes conscients qu'il y a des démarches que les gens entreprennent. C'est peut-être jeudi à nous venir rencontrer Mounio, mais c'est pas jeudi à l'initiative là, tu prends pour procurer la peine. Monsieur le ministre, vous rappelez dernièrement, vu le cas, il y a un gros soulèvement. Et là, il y a un moment des bénéfices du doute. Et je ne connais selon nous-mêmes si accordé non, mais est-ce que nous ne pouvons pas redouter, après bénéfice du doute, nous demander que si nous ne pas faire rien que situation plus grave que dernièrement? Je pense que l'État faut arriver dans la situation pour l'esprit de confiance. L'esprit de confiance veut dire que des représentants du gouvernement déplacés viennent rencontrer avec des gens dans le secteur syndical, qu'ils nous entendent sur eux, il faut que l'État prenne responsabilité pour l'État suspendre dans le bloc monde pour assumer son tablier de sa diable fait. Quel est le problème carburant là, ministre? Ça fait longtemps qu'il y a là dans le gaz là, j'ai dit presque à 1000 gouttes ou là tout. Problème carburant, c'est un problème qui est récurrent, qui vient aujourd'hui, nous résoudons demain, il retourne. Mais après, rappelé, j'aime toujours dire, maintenant dans le pays, ce n'est pas l'État qui place commande pour gaz encore. C'est le secteur privé des affaires, puisque le marché a libéralisé. Le marché a libéralisé, certainement, quand il y a un état X par rapport. On commande qui placé. Mais ça pour nous confirmer la population, pas de problème gaz. Et nous instruisons le département du ministère du Commerce pour l'assurer que visiter Pompio, visiter côté café marché noir, la loi dit ça pour faire et prendre la décision que tu dois. En attendant qu'il soit dit population de Matissan. Non, moi, tout ça déjà. Matissan, son problème sécurité. Et nous la PNH matin rencontré avec Mounio, lui présenter des plans, lui présenter des supports que l'État va pour aider. Est-ce que vous êtes à Caillou en attendant ministre? C'est ça. Donc on est. C'est deux parties sont rencontrées. Pas de problème avec. Est-ce que la population est à Caillou en attendant? Demain, c'est mieux que de rencontrer l'autre secteur pour nous que nous sommes violents à accorder. Ok. Merci. Pour information, Jean-Sat a été annoncé diverses organisations sociales et politiques ont planté piquette. Yo bien bonne matin mercredi 1er juin 2022 devant l'ambassade pays la France en Kishita dans zone Champ de Masla dans cadre d'un sit-in. Mouvement c'est là d'après protestataires, c'est dans l'idée pour demander la France remettre pays d'Haïti plus passer 21 milliards de dollars gouvernement français a été forcé nation haïtienne là payer une façon pour être capable de reconnaître indépendance pays d'Haïti. Militants ont été profité mandé corps groupe là pour exiger premier ministre de facto Ariel Henry lui mettre sous pouvoir pour respecter accord 11 septembre li te signé ak yo pour gagner une gouvernance apaisée ak sécurité dans intérêt population. Nous invitons à écouter quelques militants et Petro Challenger qui t'a parlé à collaborateur nous Saint-Louis Jean-Yves. Je dis à nous-mêmes, nous pas arrêter différents ensemble des partis à organisation progressiste, nous pas qu'à sortir pour nous camper, pour nous garder la population qui descend chaque jour. Et je dis à nous-mêmes, nous prenons la rue pour nous venir chercher ça que nous devons. Parce que nous connaissons le peuple, nous avons une constitution qui dit tout ça, nous avons besoin. Je veux dire, nous n'avons pas d'université, nous n'avons pas d'hôpital de référence, nous n'avons pas de centre de référence, nous n'avons pas de route en laine, nous n'avons pas de tunnel, mais je veux dire, nous n'avons pas d'électricité, mais je veux dire, là, on pile le monde de nous, nous quittons nos fatras, nous quittons nos misères, nous quittons nos grands goûts, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables encore. Et c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, dans l'ensemble des partis, organisation progressiste qui ses yeux avec les oreilles population. Nous faisons premier sit-in ça, nous sortons dans le silence nous et en même temps tout nous avons un message clair, nous avons un bail à Yann Henry pour nous dire respecter l'accord à la lettre. Dans la mesure où nous ne respectons pas l'accord au septembre 2021 à la lettre,
c'est lui qui a choisi Anel, c'est lui qui a choisi Topel, c'est lui qui a choisi Couchel, parce que nous-mêmes, nous disons que la population est sortie dans la sanitaire, dans la économique qui est plus aujourd'hui, parce que aujourd'hui, là, nous ne sommes pas capables encore. Et aujourd'hui, l'insécurité n'a pas de terrain, grand goût, peuple a nos misères, nous-mêmes, qui ça nous besoin, qui c'est Ijan, Ijan se trouver, il y a Ijan, Ijan, Ijan. C'est sécurité, mais je dis à la, nous sommes Ariel qui est sous bloc glacé, la garder en haut, la garder sa cap descendre, la garder sa cap monter, et puis population en péril. Et bien nous-mêmes nous disons à quoi de respecter, nous disons tout le monde qui doit nous faire, c'est pour nous payer nous. Je dis à nous-mêmes comme jeunes revendicateurs, comme les capables politiques en Haïti, nous venons dire avec ma amie, alors on va encore merci. Pendant un an, nous menons une enquête pour nous, pour faire nous connaître. Ça, la France, histoire la France de faire nous, pendant que j'ai fait Aristide, de réclamer, nous, comme la France de faire nous payer, comme l'aide des dépendances, nous ne pouvons pas payer comme là, mais la France de faire tout en bas pour nous, pour prendre l'argent en main nous. Parce que je dis à nous venons dire avec ma amie, alors on va merci. Nous disons à ma amie, tout, pendant que nous disons merci, nous demandons une enquête encore. 1915, les États-Unis d'Amérique du Bac en Haïti, tu vas les dégâts, les États-Unis en Haïti. Tu pourrais passer tout le monde, toute richesse sous l'eau de la veille. Et je te demande de Maramiral, comme une enquête pour nous tous, je sais, les États-Unis de fait, qui crime, les États-Unis en Haïti, 1915. Ça fait la mode de jeunes avocats, jeunes Haïtiens, nous avons vu dans l'université. Je demande, ce moment spécial, ce moment propice, pour nous dire, avec un pile pays impérialiste, avec un pile pays colon, nous-mêmes comme jeunes Africains, nous-mêmes comme pays d'Afrique, demander l'argent, restitution des États-Unis avec la France, qui nous paye mal, égal. L'argent, ça tout dégagé. Nous avons construit l'école, nous avons construit l'hôpital, nous avons tout le bagage qui est fait pour le pays. Nous avons fait le fond de pays, catastrophe, dégâts. Nous avons fait l'équipe de trois groupes qui nous ont fait payer, Mme Daline Tendi. Nous avons payé en otage. Nous avons crucifié le pays en l'autre fois encore. Nous avons dit que nous avons fait une chance. Nous avons l'autre bougon encore dans 10 ans. Nous avons l'autre avion pendant 10 ans. Nous sommes des jeunes intellectuels. Nous demandons avec les SAO, par Haïti, une chose, pour Haïti, je vous développement tout bon fait. Parce que ça, les gens, fait payer ça. C'est pas un bien, c'est un mal. C'est un crime, les gars, Haïti. Sous bord par yo quelques responsables dans groupement Petro Challenger nous conscients qui t'a participé dans mouvement protestation si là fait qu'on est yo présent c'est dans l'idée pour dénoncer phénomène insécurité avec banditisme encore groupe installé dans pays a depuis les mandats depuis les madame Laline a demandé pour groupe gang yo mette tête ensemble dirigeant nous conscients yo te profiter critiquer compagnie Digicel yo décap sous ses clients yo n'en fait yo payer minute appel tête nègre et puis mandé autorité responsable pour prendre toute disposition pour mettre sécurité dans le pays. Explication de militants Petro Challenger non conscient dans le micro Saint-Louis Jean-Yves. Petro Challenger décide d'avoir méga l'assemblement pas devant l'ambassade de France. Effectivement, nous, là, je dis à 1er mai, jour pour jour, date pour date, côté que nous, Matissan, nous n'avons que suivi un an depuis que nous n'avons pas traversé pour mettre en place une question de sécurité. Et je dis à nous, non. Tout le monde qui à la base de sécurité a eu les deux bancs et l'ambassade de France, c'est un bon coup. Deuxième élément, c'est pour l'argent. La France est grâce à l'Haïti au défaut. Côté que l'argent, ça a 160 milliards de francs qui a mis en état de minimum 26 milliards de dollars fait à Haïti. Si l'argent, ça va de quoi, Haïti, ça donne le plus gros pays de la déclaration. Et aujourd'hui, à nous venir directement pour dire Macron, comme dire que de la France avec vous. Ce n'est pas un dette morale qui est ici, mais c'est la jeune qui remet ici prochainement avec Macron. Troisièmement, ce n'est pas la mort à dossier du Ticel là. 16,5 gouttes pour finir du Ticel et s'allier ensemble avec politique de privatisation pour ensemble le pays imposé à Haïti. C'est un ensemble de institutions publiques qui ont imposé une politique économique et avec privatisation ensemble de l'entreprise. Pour des réparations qui font par rapport à l'ensemble d'anciennes colonies françaises. Parce que la France, on n'a pas qu'un crime en Afrique, on n'a pas qu'un crime et en Haïti.
que je dis à bataille, ça son bataille pour restitution pour les passants, mais en même temps, son bataille pour l'autre modèle de l'État dans le pays. Parce que la pointe a entendu, ça me dit avec MCLB quelque part, pour être manifesté pour nous. Nous pourrions dire que plus de gens ont envie de bagaille. Mais puisque nous avons le pouvoir qui là, on pouvoir abandonner les gars criminels, on continue de faire HTK, et puis on prend un otage, on va faire sorte de trouver. Et bien, là, c'est que CLB qui promettait pour que son otage, pour faire ça, pour faire pour que, qui garantit la sécurité de la population haïtienne. Sinon, là, si on parle là, parce qu'on a toujours une volonté. Lorsque l'on rentre dans l'église, je suis dans le monde dérangé, et bien, à qui possible. Pour qui servir pour Dieu, pour qui adorer pour Dieu. Et même que tout, nous chutons dans le quartier avec des bandits, des bandits moyens. Et bien nous disons, LB qui court, c'est des chansons avec nous. Un artisan qui gagne une année depuis 100 parce qu'il se fait couler là-dedans dans la situation que dit là, n'a dit que autorité sanitaire départementale la zone Latibonite découvrait une maladie qui semblait à variole du singe, virus macaque là, pour qu'on y a et mettez mon ça dans un espace côté absurde pour t'avoir vraiment est-ce que c'est ça. D'après information qui arrive joindre salle nouvelle radio lumière virus macaque là en pile monde ça bon scientifique les variole du singe et bien grand pile pays sous la terre qui gagne maladie ça États-Unis Angleterre Espagne France divers pays en Afrique en République dominicaine y arrive détecter un cas ça va être trop longtemps et puis dans la Tibonite autorité sanitaire fait qu'on ait découvert une maladie qui semblé avec variole du singe mais pas affirmé c'est lui seulement juste mettez mon nom espace et puis y a étudié fait analyse pour ouais est-ce que c'est variole du singe virus macaque là qui t'a atterri sous nous-mêmes 1er juin 2022 une année date pour date à côté police plusieurs milliers monde obligé courir quitter caillou dans troisième circonscription Port-au-Prince pour aller réfugier sous place publique à cause gros affrontement qui était éclaté en divers groupes qui t'a patrouillé connu pour contrôle territoire. Yon l'année après, situation a toujours été mangomé dans rentrée sud capitale là côté autorité ou dans l'état pour qu'on montre volonté ni capacité pour résoudre problème c'est là qui déjà la cause en pile monde perdu la vie. Henriette qui c'est une victime qui était couru en babal là pour te réfugier dans santé sportive Kafou a pour tracer Jean le vivre événement yo et situation pour qu'on y a yon l'année après. J'ai l'autre côté à cause groupe armé t'a beaucoup de coups d'armes pour contrôler le territoire. Yon là après situation toujours compliquée dans troisième circonscription Port-au-Prince là côté un peu le monde qui voulait rentrer dans centre-ville là obligé passer dans Mouron pour éviter yo pas victime en bas menèg examen qui acheter l'argent comptant route principale Matissan lundi 30 mai 2022 on a rappelé deux monde blessés ak yon mouri ak un balle dans tête dans un bus qui fait trajet au Kay Port-au-Prince a traversé Matissan. Tout ça arrivé en bas ici là au qui baille tête yo non dirigeant pour capable et ta placer sécurité nan mitan société haïtienne nan wap gen pour suivre yon reportage ak Donald Toussaint dans édition journal ça sous situation Matissan qui gen yon l'année depuis li bloqué. Luxon en misère, c'est non un policier qui tombait en baba la journée mardi 31 mai dans Pernier. Ça arrivait d'après information yon un moment policier. C'est là, t'es fin déposer petit l'école et li mouri criblé à balle sous volant machine. Lundi 30 mai 2022, à mon lieu pas arrivé, identifié, kidnappé, directeur adjoint à GDA, administration générale douane, M. Roosevelt réjoui dans Delma 75, rue Catalpa. Timaslin, c'est non un présumé bandit qui tombé en babel la police dans cadre d'une opération PNH la témené dans un jour. Ça yo, c'était un individu la police était déjà à chercher, il était dans mel dans moment tombé à un pistolet calibre 9 mm. Jeune, c'est dès que nous va venir, ça nous va venir dirigeant. On est à l'état, l'état vous nous a dit, nous va demander pardon là, nous va demander iso pardon, nous va demander tila pli pardon. Ou ba chance, ou bien pour qui ça le cas dit à peuple. Wa on, ça vous ça va gagner l'état. N'a pas rappelé, yo l'année après gros affrontement c'est là qui était éclaté entre groupe gang dans Tibois à Grand Avigno troisième circonscription Port-au-Prince toujours été en zone non droit côté ces gangs armés qui continuent à faire la loi yo touyé kidnappé
violer, détourner camion marchandises, les yovle, Jean yovle, embagé complice sous une forme ou sous une autre, soi-disant si la yo, yo dit qui a dirigé pays a. Donald Toussaint, Radio Lumière. Merci Donald Toussaint, porte-parole mouvement patriotique populaire des Salignes pour éviter toute petite pays pour faire tête ensemble dans l'objectif pour éviter pays d'Haïti côté de là, journée jeudi, côté de dit pays d'Haïti qui est en tête un l'État qui pas prend responsabilité là côté citoyen, situation sociale pays a vient plus grave chaque jour. André Raphaël qui c'est porte-parole Mopod qui dit dirigeant qui la connait au pas volonté pour résoudre crise politique là pendant les toute force morale dans le pays a levé campé contre le système si là. André Raphaël a toujours croyé à quoi bon dana gen place li dans la société. Nous invitons à côté porte-parole Mopodla André Raphaël. Là qui était toujours dans micro Radio Lumière dénoncé autorité en place côté une année après Kati Matissan toujours en bas contrôle et groupe Améo. André Raphaël dit ça c'est un signe qui montre l'état na kokoday ak groupe Améo. André Raphaël nous fait encore Toujours. C'est-à-dire, c'est parce que je suis la première bonne vie, au premier bonne.
Ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé dit constater situation sociale et politique pays d'Haïti vient plus grave chaque jour à cause de après assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse. Ancien parlementaire nord-ouest là, longe doit être sous équipe PHTK Lidi qui continue à mariner complot pour finir puis plus toujours à cap pays d'Haïti. Ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé invité tout petit pays à pour joindre un seul accord nous façon pour capable sauver nation haïtienne. Jean-Baptiste Bien-Aimé. La situation est plus difficile parce que la crise la vie est plus aiguë après l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous connaissons, nous gagnons crise socio-économique, nous gagnons crise politique, nous gagnons gangstérisation PIA que l'équipe PHTK a fait et qui vient plus prononcer dans le moment que nous avons parlé là. L'assassinat de Jovenel Moïse qui répond à même projet de renforcer le système néocolonial qui est établi dans le PIA depuis après l'assassinat de Papa. Jovenel Moïse qui s'est gardien système nan, ensemble avec yon équipe que l'a gagné, eh bien, yon même yon met ensemble des mounes de l'oligarchie, des mounes internationales là, avec yon utiliser les alliés les plus proches de Jovenel Moïse pour assassiner. Ça veut dire, nous tenons crise là, l'enfoncer avec tout ça nous gagné comme information et qui sortit, eh bien, ça démontre nous clairement que complot ça a été fait. Ou bien c'est un coup d'État et un coup d'État qui était fait depuis 6-7 juillet et que coup d'État ça nous l'a donné toujours. C'est un coup d'État qui est en continuation parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup qui arrivent, mettez un pouvoir, installer les agents de l'international et qui n'en courent, ils ont coumé ensemble avec l'autre. Et qui peut-être calé à faire deux camps, il y a un camp la mort, il y a un camp Matéli qui a coumé, ou la mort a poussé dans la presse internationale pour demander pour gagner une investigation internationale. Nous, ouais. Équipe tête calée à poumer entre yo, entre quand Cyclone, quand Ariel, pour permettre que yo même, yo continue fait job sale là, pour petit groupe 2% monde qui n'a oligarchie avec monde international là. Diverses organisations militantes comme Force Canapé Vert, Réveillé, Fedelma, Mouvement Militant Engagé pour ne citer ça seulement, dans cadre d'une conférence pour la presse jeudi mardi 31 mai, il a annoncé qu'il a planté piquet bien bonnet, premier 2 à 3, Jean Capvinella, dans l'idée pour demander au Premier ministre de facto Ariel Henry respecter l'accord 11 septembre, il était signé avec organisation et puis parti politique pour gagner gouvernance apaisée. Responsable organisation, si là, il fait qu'on dans jour cap venir là yo docteur Ariel Henry pour aller dans gros tourment parce que c'est tout quartier populaire qui prend lever camper à cause l'état violé à 11 septembre là en côté Paul Junior aka Hubert non sans qui c'est représentant mouvement militant engagé avec force canapé vert qui t'est parlé dans micro Saint-Louis Jean-Yves constituement de PM Ariel Henry pour demander qui ça l'a dirigé est-ce que c'est PHTK l'a proposé. Est-ce que c'est si madame Ni Osbila avec toute équipe Lio l'a renforcé pendant que lui minimiser le signataire de l'accord du 11 septembre. Nous Ariel Henry pas ni tendé, li pas ni ouais. Eh bien, mercredi 1er juin, jeudi 2 juin, vendredi 3 juin, eh bien c'est une mobilisation totale qui va déboucher sur tout pays, sur toute zone métropolitaine non. Toutes zones qui entourent par le président. La demande de Père Ariel Henry, Réal connaît. Père Ariel Henry, Réal connaît des moments noirs dans la ville. Même Jean-Jovenel Moïse, il connaît des moments noirs dans la ville. Jean militant, il a combattu pour démissionner de ce pouvoir. La demande avec tout militant, qui nous donne son coup, Nazo, Kafou Aéroport, Solino Lali, Force Machon, Lévé Copé. Au national, avenue Poupla, pral lever campé. Pelé, corridor Bastia, pral lever campé. Eh bien, avenue Christophe, Boudou, Petroville. Eh bien, tout ensemble des zones Sayo, c'est signataire de la Croyo qui habite dans la zone Sayo. Eh bien, tout ensemble des militants Sayo, pral mobiliser, pral lever campé, pour demander Ariel Henry. Pour appliquer à quoi à la lettre. Même s'il applique à quoi à la lettre, non. N'a pas dit Ariel Henry. Pour appliquer à quoi. Pour appliquer à quoi pour collectivité.
territorial yo, magistrat yo, vice délégué yo, délégué départemental yo, secrétaire direction général yo, et d'apprendre un remaniement ministériel qui donc, le lecteur pour le cadre de ces gens, qui là, qui pourrait résoudre le problème de la Vichéa, il nous révoquer. La direction générale, yo, d'apprendre à révoquer Ignace Tifleur, qui donc, Ignace Tifleur a fait passe-partout à Gaza, Ignace Tifleur a grâce à Père Mayanami, d'apprendre à Père Mayanami pour l'évoquer. Révoquer le directeur Ona, tout directeur qui m'a fait dans le pays, d'apprendre à Ariel pour l'évoquer. Donc, et, avenir qui sommes, zone Tayo, Pral, Croisé, Ariel n'a pas coulé des moments loin dans la ville, quand tout ça de chez Bastion, prêt à l'évêque mobilisé. Donc, après la bataille, ça, nous espérons que Ariel Henry a donné la raison, parce que nous même si nous avons la foi, nous marchons. Qui ça dit? Nous voilà, c'est comme ça, situation liée, bon côté organisation, parti politique, ça, qui met dans ses points la RIA. Et je dis à, je crevais mai et 3 juin et pour demander PM Ariel Henry et de facto respecter l'accord 11 septembre l'été signé à Kampi Nanyo. C'est bon moment pour nous arriver dans le Grand Sud là, dans la ville au Kaye, pour nous connaître comment Sud là levé pour matin. Hein? C'est une information faite, donc on est ville au Kaye, semblé les blanches dans le cadre d'opération là. Les blanches, nous connaît qui lancé jeudi à pour. Et forcer autorité au prend responsabilité au dans débloquer Matissan. Bonjour Eliska, comment nous y est? Bonjour Sony, bonjour à tout auditeur Radio Lumière. Yo, nous là, station à machine qui fait travailler Kaye Port-au-Prince. Nous on a parlé là, nous pas aucune activité et comme si comme quoi dire machine pour le Port-au-Prince, non. Nous avons quelques pas d'appartis là seulement. Mais des machines, quelques machines qui font trajet d'un coup à les campérins, monde qui compte campérin, des machines qui vont le campérin, des machines qui vont le cavaillon. Et nous avons quelques motocyclettes qui dans la rue. Mais il faut que nous sonner. Après plusieurs organisations dans le Grand Sud là, qui ont annoncé mon autre grève pour mercredi 1er juin 2022. Il y a une délégation qui a gagné en tête le ministre du commerce et de l'industrie, Ricardin Saint-Jean, le ministre intérieur, le ministre Kittel, le ministre environnement, James Kader, avec l'inspecteur général de la police nationale, Fritz Nesson. Ils ont effectué une visite dans la ville locale hier, côté de Féchit à Palais, avec le chambre de commerce là, et qui est dans le département sud là, c'est dans la chambre de commerce là. En contre, lui-même, il était déroulé. Il y a un représentant syndicat chauffeur, il y a quelques militants politiques qui étaient bonne prison en contre ça. C'était une rencontre qui était durée 3 heures de temps. Maintenant, c'est un contre là. Le ministre du Commerce, là, il a parlé de M. Ricardin Saint-Jean, qui était la parole. Et il était fait connaître et le gouvernement. Donc c'est seulement pour le matériel qui veut dire que la police nationale la guerre qui fait beaucoup de intervention dans la zone Matissan. Organisateur et grève là, dans le sud, il y a eu gouvernement 15 jours pour résoudre le problème Matissan. Et après ça, il y a pour retourner avec le mouvement. Ça, c'est la déclaration de Bertrand Banat, qui est président du syndicat chauffeur et dans le sud. Donc, on ne peut pas parler de Ferguson Kali, qui est porte-parole de l'Assemblement commerçant dans le sud. Il dit qu'il n'est pas d'accord pour le mouvement crasé comme ça. Donc, il est fâché le fait que la délégation est rentrée ici pour venir. Et d'après lui-même, c'est pas parole qui est vraie. Il y a pas lié parce que si on a fait l'intervention matricale, le dégât fait longtemps. Est-ce que le général PNH a fait très fort qui était fait partie de la délégation par garantie à chaque commerce que lui-même, ces matériels, il y a plein de noms qui sont pas trop longs comme ça. Donc il y a des matériels appropriés pour nous capables de faire une intervention dans les matricelants. Mais il faut qu'on dise que. Et en plus, c'est que la population était déjà mobilisée pour être capable d'observer le grève la matin. C'est ça que nous avons trois gros activités dans la troisième ville pays. Il y a des gens qui depuis 3 heures, 5 heures comme ça, la ville là, qu'on a bien brûlé. Donc, surtout côté Mila, 3-4 chemins côté Mila, qu'on chauffe avec
des machines, moun qui parle pour machine pour aller soit pour au prince ou bien dans l'autre côté dans le département. Mais pour le moment c'est pas ça, moi j'ai plus moto qui est dans la rue et j'ai en pile l'école tout matin qui s'est gardé à garder, yo te dit yo pas faire l'école matin. Vous commencez à te dire, vous commencez à dire, vous ne pouvez pas ouvrir pour vous matin. Mais nous, timidement, il y a quelques machines, mais pour les machines qui font travailler à Port-au-Prince, station blanche là pour le moment, pas d'activité. Si commerçants nous sommes habitués là, nous parlons. Et ça veut dire, il y a aussi qui montre que nous ne pouvons pas connaître un compte qui était fait hier soir là. C'était hier après-midi où un compte a été déroulé dans la troisième ville pays avec trois ministres du gouvernement et inspecteur général de police nationale qui viennent la population à garantir ou bien chambre commerce là. Donc, je vais mettre ce bac sur le rêve là. Alors ça, Eliska, est-ce que ça c'est pas un poisson d'avril en mai? Et pour nous saigner là, pour monsieur accepter, prendre parole dans mes dirigeants toujours, est-ce que c'est un poisson d'avril en mai? Ah, oui, oui, parce que si tu as une intervention qui t'a fait depuis longtemps dans ma tête là, pour mettre un grand sud là, qui est dans la capitale haïtienne là, ça t'a fait longtemps d'après un pile monde. Mais jusqu'à présent, pour qu'on ait rien qui flèche, pour qu'on ait rien qui vit, on attend le gouvernement de rien. Même la semaine là, nous avons dit, même avant hier, nous avons dit, bus au caille qui fait carrière pour le caille, à victime de monde qui était mort là avant hier et qui était là qui blessé. Non, bus qui fait carrière carrière pour le caille, ça veut dire que. Et mon cas est toujours continué à victime, mais le gouvernement va jamais dire rien. Ok. Donc, vous parlez de 15 jours. Eliska, est-ce que ça t'a dit 15 jours ça, et c'est 15 jours bah, l'État pour résoudre le problème? Non, mais est-ce que ça t'a dit mouvement Jodia, opération Larry Blanche, là, les campés? Autorité qui te vini pas bon ici, que ça doit camper avec mouvement, mais et pas ça nous, ouais, maintenant là, non? Mouvement, ça nous plaît, et pas ça moi, parce que l'école pas au rendez-vous matin. Les gens qui n'ont pas constaté là, n'ont pas ouais, aucun petit monde qui va à l'école. Donc, pour nous dire que nos organisateurs, grève là, pas bon ici, c'est comme si on a divisé, vous avez des monde qui acceptent. Et ça que délégation a dit, parce que il y a un industriel qui a léger qui a parlé, c'est comme si les gens parlaient à Poutaba, monsieur, Poutaba gouvernement, on met l'osé. Les gens qui ont été capables de dire, on met l'osé pour garder en attendant qui s'accapte. Vous comprenez, parce que il y a un organisateur, un syndicat qui va 15 jours. C'est pour eux, on va faire avec Matisson, sinon après ça, il y a beaucoup de grève là normalement. Alors, Eliska, je pense que, bon, il y a des gens qui peuvent dire ça, c'est pas si mon bêtise. Je pense ancien PM Lapin, ancien PM Jout Joseph, ancien président Jovenel Moïse, il fait même déclaration, il dit autant d'écrits mon Matisson. Ça peut qu'on gagne 6 mois ou l'année après. C'est le même problème, non, sans continuer à couler. Et nous arrivons à un niveau ça. Comment faire c'est l'heure que nous décide de lever camper pour chercher une solution, pour forcer l'État à prendre mener? C'est de ça, délégation, tu es en courir pour aller chita parler. Est-ce que c'est pas passé, mon nom, bêtise? Oui, il y a un peu de monde qui dit ça. Il y a un monde qui est dans la côte là, qui vraiment fâché, quoi. Et c'est le gouvernement à passer et mon de la sud là. Et les commerçants, et eux-mêmes qui sont les principales victimes de la situation matisseur. Parce que pour le passé, avec marchandises, quelquefois, il y a des oubliés, c'est l'argent opéré, sorti dans une zone soit tabac ou bien Pétionville, pour mettre dans le portail. Son l'argent payé, pour le passer encore son autre l'argent payé, tout ici c'est la copie la police a payé pour capable venir avec marchandises. Donc c'est passé mon intérêt, d'après ça, un pile monde dit, je ne veux pas. Donc il y a un pile monde, comme nous disons, qui grimpe son mouvement. L'homme donc grimpe son mouvement, qui dit, maintenu le mouvement. Mais il y a quelques autres qui étaient dans le rencontre là, donc qui dit, il y a pas de gouvernement 15 jours.
yo pour après ça yo même il a pris ici gouvernement pas fait un rien après 15 jours je dis il a pour retourner avec le mouvement de est-ce que quelque part pas un bar qui baille en bas pour diviser monsieur on l'argent ou pas d'information non Eh bien, merci beaucoup, Eliska. Si vous n'avez pas quelques mots à ajouter, nous avons toujours qu'à nous informer. Oui, moi, là, dans la vie, là, comme je dis, pour le moment, là, nous avons résumé pour vous dire, c'est que, et une délégation qui est venue hier, qui vient en tête, et trois ministres du gouvernement, inspecteur général de police nationale, qui est venu rencontrer avec les commerçants, eux-mêmes qui étaient dans l'initiative avec les représentants de l'autre secteur, ça, pour le syndicat chauffeur. Donc, ils ont demandé pour camper sous grève là. Vous comprenez, mais jusqu'à présent, dans le moment où on a parlé là, moi, là, où il y a presque une capacité, presque blanche, et pas l'école matin qui a fonctionné. Et beaucoup de monde, plus précisément, qui prennent l'école matin, parce que depuis hier, donc ils ont dit que l'école n'a pas fonctionné matin. En gros, c'est contre la troisième ville pays au cas de le matin. Merci beaucoup, Eliska. J'en dis là, on a prêté et connecté n'importe qui l'a carré pour informer. Nous souhaitons que nous parlions plus dans l'émission Haïti Plus. D'accord. Ma prise est disponible pour nous. Merci en pile. Bon travail, en pile précaution, en pile prudence. Et Fomta ici, oui, c'est madame Jeune Fanat Bertrand qui est responsable. Et on a dit question de transport dans la ville au Je pense que l'étape importante pile et pour moi et si je t'ai joigné et pour t'ai fait numéro rapidement et pour me t'ai joigné et pour me connaître et comment ça y est c'est vrai et Eliska décrit comment la rue a elle bon quelques informations parce que depuis hier soir me connait raconte ça il était allé et monsieur était en train d'aller et allô bonjour. Ok, comment nous y est, Fanat Bertrand? Comment quoi? Nous connaissons que nous avons annoncé grève, vous êtes responsable des questions de transport, vous branche APCH dans le sud pays, la ville locale. Comment l'activité a y est pour matin? Est-ce que tout le bagage prend? Je vous ai annoncé là, tout le bagage est bien. Ma préférence, c'est que c'est pas un syndicat des chauffeurs qui a annoncé de là. Très bien. Vous comprenez? Ça veut dire que nous appuyons le mouvement parce que nous, tout à vivre la branche là, dans la même situation difficile là. Et bien, si on va gagner en fait pour que nous jouions une solution, nous-mêmes, on a toujours monté à bord pour que nous jouions une solution. Mais, décision grève là, pas de sortir des syndicats. Et, comment ça y est, vous avez participé dans la rencontre qui était faite là? Et hier soir, je crois, les rencontres qui étaient faites, qui étaient gagnées, Chambre commerce et Sud là, tu as gagné représentant PNH là, tu as gagné ministre intérieur, où tu es présent? Oui, on est présent dans tous les deux. C'est les réunions que tu fais séparément. Mais l'état-major, tu es rencontré avec nous du premier temps, de midi jusqu'à 3 heures, et puis l'autre réunion devait commencer à 5 heures jusqu'à. C'est qui ça qui sorti? Qui sa population de retenue après la rencontre ça? Moi, après la rencontre, c'est que je dis à toute population qui a demandé pour le Grand Sud, ministre n'a pas dépassé. D'ailleurs, c'est disparaître, ou disparaître. La réunion n'a pas de financement avec eux. Mais la rencontre est plus misée sur décision. Où est la majorité propre et tu n'as pas d'explication. Parce que les populations ont besoin d'explication de ça qu'a fait. Ce n'est pas uniquement les taux jeunes bagailles au vert, mais dès que nous décidons ou bien nous faisons tel bagaille, nous avons besoin de monde qui a touché. Le monde qui dit qu'on a eu responsable, quel poste de responsabilité, qui ça y a fait. Si nous avons un grand groupe qui fait, combien de temps nous avons mangé. Nous avons encore. Insécurité, la matière, combien de temps ça a résolu? Ça veut dire que c'est
pour montrer que vérité on gagne comme haïtien pour résoudre le problème et puis ensuite il y a la tête au délai pour que ça finisse la affirmative ça. Combien je dis nous te prenons au état-major au mot pour nous que eh bien si que préparation de yoga 4 fêtes là et encore eh bien par le vrai je ne dis pas lointain il y a réagi à nous te maillot et tout là que réagir pour que le problème matisse ensuite. Combien de jours nous baillons? Nous baillons délai de 15 jours, malgré j'aurais là moins que 15 jours à trop petit, mais la situation est là, il va pas mériter même 15 jours, parce que la situation est extrêmement grave, que la décision, il faut le prendre, parce que nous demandons que et vous connaissez tant de bruit, vous connaissez tant de bruit, bon. Alors, nous avons 15 jours dans l'espace ça et comment ça a été pour grève là? Combien ça a été lancé? Est-ce que Chita parlé avec SL Campi? Oui, la continue. Je dis à ce jour pour nous toujours continuer à matcher. Première année, que monsieur, mon gars, il va dire ça au plan. Les zones matrices qui appauvrit toute population du Grand Sud-là. Et nous-mêmes, comme elle se décrit un panorama département, que décision de prendre pour que machine au campé pour avoir agi à nous maintenir. Et dans l'autre jour, nous avons droit comme si, pas continuer sur le même rythme, mais nous maintenir que machine. Beaucoup de panneaux, apprêter la caillou pour nous dire nous bouquer avec affirmatif. Alors, il y a mon Fadat Bertrand qui pourrait le dire que c'est qui pourrait le comprendre mal parce que une année après, Valère mon qui est tombé sans qui couler, autorité ou pas jamais dit rien d'ailleurs, laisser dans des camions et zone nord, yo courir à chita parler avec on sait de gros entrepreneurs, c'est comme sous ta le nord plus paraît important pour eux même que zone sud là. Donc il y a mon qui pensait que nous pas de prendre parole dans même monde ça encore parce que c'est dans bêtise, je estime il y a passé nous. Est-ce qu'on pense population va le de bon oeil après rencontre ça. Je crois que rencontre là aurait dit une bagaille quand même. Parce que qui sont besoin de l'autorité? Ma preuve, c'est pas vos gentils. À l'instant que le journal sont bien pour faire, ou pas bien faire, ou pas bien des gens qui questionnent ou pour demander avant de parler de ce journal là. Et bien nous-mêmes, c'est besoin pour nous qui sacre la tête d'autorité. Est-ce que l'autorité a définitivement fermé les oreilles et puis il n'y a pas gagné à régler? Et puis qu'on y a nous-mêmes nos bonnes réactions, est-ce que qu'on y a pour bagaille, combien d'aller à pied pour que nous recommençons une solution? Et bien c'est au mot de ça. À travers l'état-major, on vient dit, au état-major, la police là, qui montrait que ils n'ont pas arrêté. Parce que si on dit nous consacrer. Pour faire la bataille, il faut préparer, il faut former, il faut nettoyer avant qu'il y ait la bataille. Ça vous montre, noir sur blanc, là, je me calcule 1, 2, 3. Mais quand vous voyez, vous croyez que moi-même, je suis obligé pour vous. Je suis obligé pour vous. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que nous sommes allés au bal de bataille, ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas fait formation, ils ne sont pas arrangés. Vous croyez que c'est à travers de ça, ils ont été convaincus pour montrer que. Ils ont une préparation pas pour trop de temps pour que ils ont attaqué leur fief et puis fin matisse ça n'a pas existé encore leur condition ça pour le ballon. Mais ils n'ont pas d'où combien de temps t'as bon pour eux-mêmes. Nous t'es 15 jours, il y aurait leur mouet eux-mêmes, combien de temps avancé eux-mêmes. Monsieur Collision est très prudent parce que vous avez dit. Mais qu'il est après du battement dans Matisson. En raison, c'est une bagaille stratégique, c'est une bagaille sécuritaire. Et ils ont montré que les que Oudon et le Miki en face, leur vie n'attaque n'est pas au courant, on a plus de chance pour gagner une bataille là qui est sous perdue. Et ils ont pris plus prudence à travers
yo, parce que yo connaît yo qui ton goût à mettre pour le 12 mars, et bien il y a prendre toute précaution, les offres attaquants pour réussir convenablement. Mais pour qui ça s'est campé au mandé pour nous camper sur vos vendeurs là? Si vous m'avez attaqué en fait, pour qui ça s'est... Non, je n'ai pas demandé. D'ailleurs, oui. Vous n'avez pas demandé pour nous camper grève. Ok, plus clair pour nous, ok. Mm-hmm. Oui, je n'ai pas demandé pour nous camper grève. Qui ça a demandé même? Je m'ai venu pour vous donner une explication. Mes côtés ont eu, mes côtés ont eu. Et ministre, ministre intérieur et l'autre ministre, qui ça vous dit nous? Bon, pour nous, un bagage qui est extrêmement grave. Ministre intérieur qui gagne sécurité, toute zone l'emmené, crier en dedans dans votre camp. Il criait? Crier en dedans dans votre camp. Comment crier? Mais monsieur t'a mangé avant le vide, il m'a dit que c'est un problème grand goût qui fait crier. Pour qui ça le crie? Ça veut dire qu'il tellement, il prend pitié pour mon Matisse sans faire le crier ou bien il n'a pas répondre à question? Non, c'est qu'il n'a pas répondre à question pour mon tour. Question est très, très, très pertinente. Dès que vous dites au ministre, comment garder petit la caille au madame pour dire vous mettez un rade sur des conseils, ou à l'ambiance, ou à le travail, et vous touchez pour ça, et puis vous n'avez pas de résultat. Pourquoi c'est ça qui était maurice de monsieur? Au lieu de répondre, c'est crier, le crier. Ah, eh bien, gagne espoir, depuis le cri, il y a gagne espoir. Eh bien, ok. Bon, message là, et Fanat Bertrand, message là, c'est qui s'allie pour syndicalistes et pour chauffeurs et transports, et en tant que responsable et syndicat, qui ça message là est? Mobiliser, on continue à mobiliser parce que la situation n'y a pas qu'à se péter là. Donc, n'a plus clair toujours, mouvement qui t'a commencé aujourd'hui, à les camper ou bien à continuer? Merci beaucoup, c'est ton plaisir. Merci. D'accord. Voilà, Fanat Bertrand, c'est responsable et secteur transport, branche APCH dans Grand Sud, et PIA.